Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo avec la webcam. J'espère que cela vous plaira. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Tamagotchi que j'ai renommé Tamanova. Donc ici, vous avez l'introduction de Innovator Games. Donc j'ai enfin pu inclure dans un jeu. Donc le Tamagotchi, c'est le premier qui a cette introduction. Donc bien entendu, vous pouvez passer cette introduction en appuyant sur la touche du clavier Entrée et cela vous mènera directement au menu principal du Tamagotchi que l'on voit dès maintenant. Ensuite, donc nous avons une nouvelle partie, vu que c'est la première fois qu'on y joue. Donc comme tout bon Tamagotchi, il faut commencer en donnant son nom. Donc je tape mon nom. Ensuite, il faut donner le nom du Tamagotchi, bien sûr. Donc, après avoir donné le nom du Tamagotchi, donc il faut cliquer sur l'œuf qui est sur le lit. Donc là, on est plus rapproché de l'œuf et donc il faut attendre 30 secondes avant qu'il clôt. Et là, nous avons donc le meilleur vœu 2013, bien entendu. Et là, nous avons donc notre Tamagotchi qui a éclos et donc qui a faim. Donc là, en haut à gauche, nous avons les barres de faim, humeur, physique, ce qui correspond à l'état du Tamagotchi ainsi que son âge qui est donc de 1 an. Donc on peut jouer avec l'orque. Donc là pour la chambre, donc c'est le Nova Invaders. Donc on peut diriger l'orque avec les flèches directionnelles du clavier, droite ou gauche, et espace pour tirer. Donc, et le but est de tirer et de tuer des envahisseurs. Donc à la fin du jeu, le Tamagotchi augmente ou diminue certaines caractéristiques. Donc ensuite on peut changer de pièce, donc par exemple là avec le menu on a plusieurs pièces et donc on peut faire retour aussi pour revenir à la pièce suivante. Donc là par exemple pour aller à la cuisine, donc on est dans la cuisine, magnifique environnement. Donc dans la cuisine on peut lui donner à manger en cliquant donc sur cette icône là. Donc qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons plein de bonnes choses dans le frigo, donc par exemple si on lui donne une banane ça augmente la barre de protection de faim, et pour hamburger ça l'augmente énormément. Ensuite donc retour pour revenir à la cuisine et pour jouer un peu. Donc le jeu de la cuisine c'est le Tetris, donc où il faut sauver le Tamagotchi un peu comme dans le jeu de Wee Charlie. Donc le but, enfin de comment fonctionne le Tetris, donc c'est avec les touches du clavier, donc droite, gauche pour bouger latéralement le carré. La flèche vers le bas, c'est pour augmenter la rapidité donc de la descente du carré. Ensuite, que dire de plus? Donc pour supprimer un carré qui est au-dessus donc de notre Tamagotchi, il faut aligner verticalement 3 carrés. Et donc on supprime les carrés, les 3 carrés. Donc ça met un certain temps, on a un score en fonction des briques que des carrés qu'on casse. Et donc il faut sauver le Tamagotchi. Voilà. J'ai accéléré la vitesse de la vidéo afin de finir rapidement le Tetris. Donc là on y est presque, il manque encore le carré marron. Il arrive. Et la dernière pièce. Donc nous sommes revenus à la cuisine. Ensuite on change de pièce. Nous partons à la salle de jeu pour découvrir un autre jeu. Avec le plombier. Donc le plombier où il faut changer l'orientation des pièces afin de faire parvenir le coca à l'orque. Donc je l'avais déjà montré dans la vidéo de Où est Charlot. Parce qu'il est présent dans sa première apparition et dans ce jeu-là. Donc voilà, le jeu, je l'ai programmé pour que toutes les solutions possibles ou même les erreurs puissent montrer aux joueurs que elles sont bonnes ou fausses. Lorsque l'on tourne le robinet, que le liquide coule dans les tuyaux, donc s'il y a une erreur, c'est bien significatif. Donc là, on ouvre le tuyau, le robinet, et donc là, on voit que le coca parvient bien au Tamagotchi. Donc pareil, ça affecte les caractéristiques de celui-ci. Ensuite, pour le parc. Donc le parc, c'est un serpent, donc le jeu.
Donc le joueur fait bouger l'orque avec les touches du clavier, les flèches directionnelles. Donc l'orque essaye d'attraper les hamburgers. Donc bien entendu, lorsqu'il va dessus, il ne les mange pas, mais ils disparaissent, enfin ils changent de position. C'est pour ça que ça n'affecte pas la caractéristique comme s'il avait mangé en fait. Donc voilà, c'est plutôt du côté physique. Ensuite, pour la dernière environnement, le parc d'attractions avec ce jeu-là, où il faut appuyer sur le bouton rouge lorsque le compteur est entre 995 et 1005. Donc là, j'ai essayé d'y arriver. On y est presque. Attention. Et maintenant, donc 997, ce qui est bon. Donc j'ai le droit à un bonus. Donc soit je veux la fatigue à moins 20, et donc je clique sur le cube bleu pour l'activer, ce qui a été le cas. Ensuite, revenons à la cuisine. Donc je vais plus lui donner à manger pour vous montrer le mode faim. Donc on voit que le Tamagotchi a changé de couleur. Donc voilà. Et pour terminer, donc je quitte le jeu pour revenir dessus. Donc pour les bonus, c'est simple, on ou off avec les flèches du clavier. Je vais pas dire ce que c'est, il faut que vous installiez l'application pour ça. Et si vous l'activez, vous devez quitter l'application et relancer pour remettre à zéro. Pour les crédits, donc comme d'habitude, avec mon nom, mon site et mon Tumblr, et voilà. Fini pour le Tamagotchi. Alors le jeu est bien entendu gratuit, présent, il y a le lien dans le descriptif de la vidéo, il y a aussi le lien sur mon portfolio et sur mon Tumblr. C'est le fichier que vous allez télécharger est un installeur et donc c'est facile à installer. Voilà. Et dans le prochain épisode, nous verrons Nova Times, s'il est fini, je l'espère. Sinon ça sera une petite vidéo de présentation de où ça en est. Voilà, j'en parlerai plus dans le prochain épisode.